En 2004, la société de production Odéon et compagnie a vu le jour grâce à la complicité de trois passionnés de communication, Jean-Baptiste, Jérôme et Benjamin Nicolas. C'est bien le réalisateur de la série Les coulisses du football, diffusée sur Canal+, qui pour ce mois de novembre a investi le rempart médiéval au sud d'Aigues-Mortes pour le tournage de Gabin le Mime. Si le projet est ambitieux, c'est aussi un bon moyen pour se lancer dans le cinéma avec une équipe de professionnels autour de Cyril Rigon, nous a avoué Jean-Baptiste au cours d'un entretien exclusif pour Cinéphile TV. Je suis avec Jean-Baptiste Nicolas, producteur de Gabin le Mime. Alors Jean-Baptiste, qu'est-ce que c'est être producteur ? Oh là, qu'est-ce que c'est être producteur ? C'est une bonne question ça. En fait, c'est gérer les imprévus, je parle pendant le tournage. Hein. C'est gérer tous les problèmes au quotidien. Tout le monde vient vous voir pour vous dire voilà, ça j'ai un problème, là j'ai un souci, comment on fait, etc. Donc voilà, il faut être rapide, efficace et savoir déléguer. Voilà. Donc c'est ça être producteur pendant le tournage. Et puis faire en sorte que, surtout, que le réalisateur soit, je dirais, dans les meilleures conditions. Voilà, donc il faut lui enlever tous les problèmes de technique, tous les problèmes de dépassement, tous les problèmes de climat. On ne peut pas faire grand chose, mais il faut essayer de se renseigner là-dessus pour que quand il dit tiens, voilà, j'ai prévu de faire ça aujourd'hui, ben, qu'il le fasse dans les meilleures conditions. Ça, c'est pendant le tournage. Après, je peux vous parler du producteur avant, après, mais en tout cas, sur le tournage, et surtout sur ce tournage-là qui était quand même très, très, très complexe. Mais pas compliqué, mais complexe. Il y avait beaucoup de boulot, voilà. D'accord. Ta boîte, c'est Odéon et compagnie. C'est la première fois que tu te lances dans le cinéma ? C'est la première fois que je me lance dans le cinéma, oui. Dans le cinéma pur et dur, ouais, c'est la première fois. Enfin, oui, c'est la première fois. Là, c'est un court-métrage qui est en fait un teaser pour un long-métrage. On prépare vraiment un gros long-métrage avec Cyril, qu'on va s'y tourner dans un an. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est quand même des gros moyens qu'on a mis en place pour se donner les moyens de faire quelque chose de très beau et de montrer aux autres producteurs, aux coproducteurs et gens qui seraient intéressés, diffuseurs et autres, qu'on a les moyens et qu'on a le talent pour faire un long métrage. Voilà. Comment t'as rencontré Cyril ? J'ai rencontré Cyril il y a 10 ans parce que je venais souvent à Nîmes. Et on s'est croisés plusieurs fois et puis on est resté en contact, tout simplement. Voilà. Et on est resté toujours pas très loin parce que lui, je sais qu'il était assistant dans la réalisation et qu'il voulait se lancer comme réalisateur. Il ne savait pas comment. Puis moi, voilà, je suis toujours à la recherche de talent parce que voilà, on aide un petit peu les jeunes, on essaie de les pousser et de les soutenir. Et bah, Cyril fait partie de cela. Et puis je dirais que c'est entre guillemets. Sans être péjoratif, c'est un peu mon poulain, donc j'espère qu'on va aller loin ensemble. Voilà. Le film, il est réalisé en 3D. C'était une volonté dès le départ ? Dès le départ, non. Pour être honnête, non. Cyril a écrit ce film déjà il y a très longtemps. Je parle du long métrage. Hein, et puis on s'est dit, avant de se lancer dans le long métrage, faisons un court. Et pourquoi pas le faire en 3D ? Voilà, en fait, c'est venu comme ça. Donc, il a réécrit un court-métrage qui nous servirait pour le long-métrage, mais en 3D. Parce qu'en fait, il n'a pas écrit le court-métrage. Après, on s'est dit, tiens, ça serait bien de le mettre en 3D. On l'a fait dans l'autre sens. On l'a fait vraiment, il l'a écrit en pensant 3D. Donc, c'est ce qui se fait rarement aujourd'hui au cinéma. Souvent, on récupère la 3D après. Là, il l'a vraiment écrit. Il s'est dit, voilà, pour la narration, pour les émotions. Donc, il l'a vraiment écrit en pensant à la 3D. Et avec ce tournage, tout ça, tu peux espérer des prix ? Alors là, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Non, j'ai pas du tout pensé à ça. L'objectif, c'est vraiment le long métrage. Pardon. Le prix de Gabin le Mime sur le court métrage, pour nous, c'est bon. C'est clair, c'est des bonus. Hein. C'est une petite cerise sur le gâteau. Mais vu la qualité des images qu'on a vues, vu la qualité surtout des techniciens qu'on a mis quand même dans cette grande aventure. On peut être fier aujourd'hui quand on voit les images. Alors après, c'est pas monté hein, encore, mais je pense qu'on peut, voilà, je pense qu'on peut avoir, on va avoir un très beau film et j'espère qu'il aura des prix, bien sûr, parce que il a aussi une vie, ce petit film, en plus d'être le teaser du long métrage, mais aussi une vie à part, qui doit avoir lui en tant que court métrage et on va l'envoyer dans tous les festivals et j'espère qu'il aura des prix, bien sûr. On te voyait très engagé sur le tournage tout à l'heure. C'est important pour toi ?
C'est important d'insuffler une dynamique. Voilà. Il faut donner un rythme. Et il y a que le réalisateur ou le producteur qui peuvent le faire. Parce que c'est eux. C'est un peu, ils sont en tête de pont. C'est à eux de montrer qu'il y a toujours du dynamisme, de l'envie, malgré tous les soucis qu'on a eus pendant ce tournage. Donc je montre l'exemple. Voilà, c'est mon boulot. Voilà, je suis là le matin, je suis là le tard. Comme tous les techniciens, on n'est pas dans notre caravane en train de fumer un cigare et boire du cognac. Pas du tout. On est là, on met la main à la pâte, on débarrasse, on pousse les chariots. Non, il faut. Voilà, on est là, on est au cœur du système et. Et on n'est pas que en haut en train de regarder si tout se passe bien. Non, on est vraiment avec tout le monde et c'est. Moi je trouve que c'est une manière de produire, moi qui me va, et mettre la main à la pâte, voilà. Moi je pense que c'est la chose la plus saine que doit faire un producteur pour être suivi. Ok, merci beaucoup et on te souhaite bon courage pour la suite. Merci.